Bonjour, je suis Marilyn Millette. Je suis présentement dans mon atelier à Gatineau. J'habite ici depuis presque 20 ans. Je suis originaire de Trois-Rivières et j'ai fait de la mosaïque depuis 2008, mais seulement depuis 2019, j'ai commencé à vendre mes œuvres et à participer à des expositions. L'exposition Oser les Caraïbes m'a rapidement interpellée pour les couleurs que je savais que je pourrais intégrer facilement. Pour moi, c'est les couleurs vives que j'aime le plus travailler. Ça fait partie de ma démarche artistique, travailler les contrastes des couleurs à travers les œuvres que je crée. J'aime aussi intégrer des matériaux recycler ou que je peux récupérer. Alors, quand j'ai vu l'exposition pour les quatre œuvres, c'est important pour moi que mes quatre œuvres soient toutes reliées. Alors, j'ai réfléchi à mon concept et ensuite, j'ai été magasiner des cadres. Je voulais que ce soit quand même assez de bonnes dimensions. J'aime travailler les assez grands formats. Alors, j'ai été dans des brocantes au sous-sol d'église, voir ce que je pourrais trouver. Et puis, j'ai pensé à la maison d'été pour commencer. Les maisons d'été qu'on voit dans le sud, toutes sortes de couleurs. Alors, il y a la maison d'été qui est comme l'œuvre principale, la première que j'ai créée aussi. Puis pour toutes les autres œuvres, ils ont tous un lien avec la maison d'été. Mais pour moi, c'était aussi important de me laisser la liberté, les interpréter tout différemment. Alors, dans l'œuvre principale à droite, on voit le palmier. Alors, la deuxième œuvre, c'est « À l'ombre du palmier ». Alors, c'est le palmier qu'on voit à droite, mais que j'ai refait de façon complètement différente aussi, avec des perles, de la céramique. J'ai intégré toutes sortes de choses. J'ai travaillé même sur le cadre directement. La troisième œuvre, c'est la serviette de plage qu'on voit avec le livre, les gougounes dessus. Alors, la troisième œuvre, c'est le côté, si on se mettait à côté de la maison puis on regardait vers la mer. Alors, il y a la serviette de plage qu'on voit à nouveau avec le livre, les gougounes encore, le palmier qui est à gauche. Et dans la dernière œuvre, la quatrième, c'est le point de vue de la maison directement, c'est sur le balcon. Alors les deux, les pots de fleurs, à gauche, celui qui est par terre, à droite, celui qui est suspendu au balcon. Et puis c'est la vue sur la mer, je l'ai faite en coucher de soleil, celle-là. Alors c'est les quatre œuvres que j'ai faites pour... l'exposition Oser les Caraïbes. J'espère que vous allez les apprécier. Et voilà, je vous souhaite une belle exposition.